Ah merde, j'étais en train de faire un super commentary sans son. Ça, c'est bon. Ça, c'est la base. Alors, comme je disais, petite course sur Zandvoort. On va commencer bah, tout de suite, hein, bientôt. Là, dès que le premier pilote sera sorti, on est sous la pluie. Et là, normalement, tu entends. Normalement, tu entends mon micro. Hein. C'est bon. Alors, la petite Ferrari qui part en premier, ça va être Vixio ou Lucky Est. On va aller tout de suite sur Vixio ou Lucky Est. Alors, on n'a pas vu le briefing, malheureusement. Comme je disais, sans son. On n'a pas vu le briefing. Mais on va avoir la course, la qualif course surtout. Et c'est Vixio qui est parti en premier, donc on va comme d'habitude aller sur Vixio. Modelo toujours fidèle au poste qui soutient Infinite Keke. Et Vixio qui est en tour de chauffe, qui va arriver dans la première zone de DRS. Alors comme je disais tout à l'heure. Streamcast, j'ai publié sur Twitter, sur TikTok. N'hésitez pas à aller dans la description et à rejoindre les liens pour voir un petit peu tout ce qui va se passer sur la chaîne et tout ce qui se passe sur la chaîne pour être notifié quand ça commence, pour voir des petits passages, des petits temps forts sur TikTok, bien sûr. Ça fait toujours plaisir. Et puis sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à mettre un petit pouce bleu, ça fera plaisir, bien entendu. Et à follow sur Twitch, ça fait toujours plaisir aussi, si vous voyez en rediff. Et là, on a donc Vixio qui est dans son tour lancé à la fin du secteur 1. Et sous la pluie, hein, on voit que les pilotes sont en inter. Intermédiaire pour les pilotes et il va pas y avoir de stratégie particulière à mon avis. C'était Magazine ou Rico derrière, c'est Rico et là oh petite sortie de piste de Vixio et probablement qu'il va peut-être avorter le tour. Ça n'a pas l'air. Il ne recharge pas les batteries donc il continue, il va tenter quand même un chrono, faire au moins un chrono. Alors on voit les secteurs bleus, les secteurs violets pardon, sur la carte, c'est normal. C'est le premier tour du premier pilote en piste. Forcément, il fait le meilleur temps puisqu'il n'y en a pas. Et Vixio avec sa Ferrari qui va passer la ligne d'arrivée et nous faire un chrono. Le premier de la séance, le premier de la soirée. Et une 20-118, une 20-118 pour Vixio qui a fait une sortie de piste. Hein, qui a fait une sortie de piste. Et Rico qui fait pas mieux, visiblement. Alors Vixio qui nous a fait un chrono pas mauvais pour le coup. Et il est sorti de la piste. Hein, donc il a eu une petite sortie de piste. Il a raté un virage. Il a perdu un petit peu de temps. Et donc on aura probablement mieux de sa part, je pense. Je pense qu'on pourrait avoir mieux.
Lucky S qui vient de faire une 20-106. C'est pas une grosse amélioration, mais il prend la première position. Et Xerox, Xerox qui est en tour chrono. Pas de DRS bien évidemment puisqu'il pleut. Malheureusement, hein, malheureusement, encore de la pluie ce week-end. Espérons que ça se passe bien pour les pilotes. 10 pilotes, hein, 10 pilotes qui courent cette saison. Ah, Xerox qui est rentré au stand instantanément. Alors peut-être un petit bug, hein, peut-être un petit bug. À moins que j'étais sur Magikarp. Alors j'espère qu'il n'y a pas de problème de connexion sur le serveur. Sinon, ça va être très embêtant pour commenter comme d'hab. Et voilà, Vixio qui améliore. Je l'avais dit qu'il allait à Mexico. Oh là là, petite erreur là de Magikarp qui part à la faute, qui réussit à restabiliser son véhicule, à ne pas l'abîmer surtout, c'est le principal. Essayer de faire au moins un tour, hein, au moins un tour. Et on sait que pour Magikarp, c'est plutôt compliqué la pluie. Et Lucchese qui vient de battre le chrono de Vixio là. Allez, Magikarp qui va passer la ligne avec beaucoup de retard malheureusement. Et ouais, la sortie de piste qui a fait perdre énormément. Et je pense qu'il se réélance tout simplement pour un autre tour. Eh oui, hein, il pleut, le RS se recharge assez vite avec la pluie et ça permet aux pilotes de pouvoir faire plusieurs tours consécutifs. Hein. Et ah, qui repart à la faute sur l'accélération, quel dommage pour Magikarp. Magikarp qui va donc repartir hein, une fois que la William de Nate sera passé. Et d'ailleurs, on va aller sur Nate tout de suite. On va aller sur Nate, hein. On va aller voir ce que Nate a à nous proposer avec sa William. Nate, je le rappelle, était quand même au coude à coude avec Jidag il y a de cela deux saisons. Hein. Pilote très bon qui manque peut-être un petit peu de d'essais tout simplement pour apprendre un peu mieux les pistes ces dernières saisons. Voilà, et petite sortie de Nate. Que s'est-il passé? Il a perdu la voiture, l'a récupéré visiblement et c'était chaud hein, c'était très très chaud. Il a été tapé dans les plots, dans les briques en polystyrène. Et Nets qui n'améliore pas visiblement. Alors Infinite Keke qui a fait une 22, c'est étonnant. On va aller voir Infinite Keke. Ah, Infinite Keke qui a fait une sortie de piste là visiblement, qui va ressortir en laissant passer les pilotes derrière lui, bien évidemment. Pas de gêne. Ah, une gêne. Oh là là, une disqualification d'Infinite Keke là. Alors là, pour quelle raison? Pour quelle raison? Puisque il laissait passer les pilotes et il a visiblement pas gêné là. Peut-être une petite erreur du jeu. Une petite erreur du jeu, hein, c'est fort probable. Hein. Alors là, c'est le coup de théâtre, puisqu'on le sait, hein, Infinite Keke est premier au classement. Et on va peut-être passer sur la scène, hein, parce que là, vous ne voyez rien. On va passer sur la grande scène. Vous voyez, vous ne voyez rien depuis tout à l'heure. Enfin, vous voyez un petit écran. Et Infinite Keke, du coup, qui s'est malheureusement retrouvé disqualifié. Alors ça, c'est vraiment problématique. Hein. Là, c'est problématique. C'est dommage pour Infinite Keke. Setco qui fait le deuxième meilleur temps. Doug Thunder qui améliore. Nate qui améliore. Nate. Voilà, je le disais tout à l'heure, hein, très bon pilote. Et du coup, il améliore. Et Setco qui reprend le meilleur temps au tour avec 3 dixièmes de mieux. Très très beau tour hein, de Setco. Qui là améliore vraiment bien. Hein, vraiment bien. Magikarp qui a réussi à améliorer sur son troisième tour. Une 21-169. Il va falloir réussir à faire mieux pour conserver cette septième position. Mais ça peut être vraiment compliqué.
Et on va aller sur Nate, hein. On va aller sur Nate. Bonsoir, bonsoir mon amour. On va aller sur Nate pour voir, hein, ce qu'il se passe. Et visiblement, Setco qui nous disait en interview il y a quelques minutes qu'il était assez bien sur ce circuit, qu'il avait bien appris, bien pris ses repères, ses marques. Et Luquez qui nous fait un énorme chrono là. Luquez qui nous fait un énorme chrono. Et Ned qui s'était un petit peu raté, qui avait relevé le pied, qui va sûrement repartir pour un autre tour chrono. Et Luquez qui vient d'exploser le chrono, plus de 4 dixièmes de mieux que ses opposants. Très gros tour de Nate. Et on va aller sur Magikarp, pardon. Magikarp qui est en tour, hein. En tour chrono là. En tour lancé. Et il reste très peu de RS par contre, hein. Alors ça va lui permettre d'avoir un petit peu plus de pistes. Un petit peu plus de pistes. Alors ici on sait, hein, que c'est... Ah là là, c'est tendancieux. Aller à la faute ici et voilà. Et je pense que ça va être compliqué là pour Magikarp de refaire un chrono. Et Magikarp, il a fait un bon tour, hein. Une 20-650. Il avait bien amélioré, on l'avait pas vu. Mais Magikarp qui avait amélioré. Dommage, il part à la faute là. C'est dommage pour lui, hein, parce qu'il avait amélioré. Doc Thunder qui est parti sûrement à la faute. C'était Magazine, pardon, qui est parti sûrement à la faute. Hein. 1.21.324. C'est compliqué sous la pluie, on le sait. Et en plus, ce circuit est assez piégeux. Ça, on le sait également. Hein. On le sait également que le circuit est assez piégeux. Allez, Xerox qui va nous offrir un tour chrono. Essayer de donner son maximum en espérant qu'il réussisse, hein, à nous faire ce qu'il faut. Xerox qui doit à tout prix faire un chrono pour essayer de passer devant ses opposants. Vixio qui est sorti de sa voiture, ou qui a crashé, hein, tout simplement. Il a crashé là dans le secteur 3. Et ouais, c'est Rico qui passait à côté. En tout cas, Xerox toujours en chrono, et Luquez qui a bien révisé ses leçons sur ce circuit visiblement, puisqu'il a fait un chrono magistral avec des pneus inter, hein, avec des pneus inter. Va passer la ligne d'arrivée sur cette longue courbe inclinée qui offre une grande vitesse. Et Xerox qui réussit à prendre la sixième place. Avixio réussit au dernier moment à se qualifier. Et là, le malheureux de la séance pour le moment, c'est bien Fini Keke, hein, qui a été disqualifié par le jeu. Alors, c'est pas de sa faute, bien entendu. On était sur lui, hein, quand ça s'est passé. Et Xerox qui a fait un bon chrono, hein. Très bon chrono de Xerox. Et on va aller sur Luquez, parce que Luquez est peut-être en train d'améliorer là son chrono. 18.519, hein, il a réamélioré, on l'a pas vu. On l'a pas vu, mais il a réamélioré. Et là on est sur lui, il pousse peut-être encore, hein. Il a 100% de RS, alors à mon avis, il est tout simplement en train d'économiser pour un dernier tour. Il est en train d'économiser pour un dernier tour, c'est probable. Peut-être qu'il va rentrer et ressortir aussi pour mettre des pneus un peu plus frais. Et voilà, on arrive dans la grande courbe inclinée. Le banking qui va permettre de prendre beaucoup de vitesse. Et voilà, c'est ça, Luquez qui rentre. Et qui va probablement nous faire un autre tour un petit peu plus tard. Là, Doc Thunder, il faut qu'il réussisse à améliorer. Doc Thunder, de très belles performances, hein, pour Doc Thunder depuis le début de la saison. Depuis la saison dernière. Alors, Doc Thunder, est-ce qu'il va réussir à prendre le meilleur temps à Luquez, ou à réussir à passer devant? Ah non, il part à la faute. Ah, il détruit sa voiture, quel dommage. Quel dommage pour Doc Thunder. Et c'est fini, hein, pour Doc Thunder là. Il partira peut-être quatrième si Nate n'améliore pas.
Ah là là, quel dommage hein, pour Doc Thunder. Et il pouvait aller chercher. Il le pouvait, malheureusement. C'est fini pour lui. Allez, Nets qui est en tour de sortie. Nets, Xerox hein, qui est encore sur un autre tour. Xerox qui va peut-être hein, améliorer. Et Xerox qui améliore pour le moment son chrono, qui prend le meilleur secteur 2. Incroyable. Incroyable, Xerox qui nous fait peut-être le meilleur chrono sur ce tour. Alors, il y a quand même une seconde à prendre hein, par rapport à son temps. On en est loin. Et voilà, on arrive sur le banking. Il va essayer hein, de prendre le meilleur. Il a réussi à améliorer hein, son chrono, mais c'est pas assez hein, pour prendre la tête. Ce n'est pas assez pour prendre la tête. Et on va partir sur Setco. Setco qui, lui, est en train d'améliorer de 74 millièmes. 74 millièmes. C'est pareil, hein, c'est loin des 5 dixièmes qu'il lui faut pour améliorer le meilleur chrono. Et je pense que ça va être compliqué hein, là, de battre Lucky Est à moins d'un exploit d'un des pilotes. Un exploit d'un des pilotes. Ça serait incroyable. Hein, ça serait quand même incroyable. Et voilà, Setco qui arrive sur la ligne d'arrivée. Et qui va améliorer un tout petit peu son chrono. Pas assez. Il n'est pas en dessous de la minute 18 pour le moment. Une 19, 0,49. 49 millièmes de la minute 18. 50 millièmes même de la minute 18. Et Rico. Rico qui s'améliore hein, de plus en plus. Rico qui fait de belles perfs là ces derniers temps. Alors, est-ce qu'il va réussir à prendre le temps à Lucky Est? On est dans le secteur 1 et on va voir bientôt s'il réussit à améliorer au moins son chrono. Peut-être prendre la deuxième place, pourquoi pas, la P2, partir sur la première ligne. En tout cas, il est en grosse amélioration là. 174 millièmes d'amélioration sur son chrono. Et peut-être qu'il va réussir hein, à prendre la deuxième position. Alors, il est loin de la première. Bien entendu, mais la deuxième, il n'y a que 3 dixièmes. Hein. 3 dixièmes pour la deuxième place. Yo, Jam, comment vas-tu? Putain, c'est incroyable. Hein. Faudrait que tu te renommes Jam, tout court. Pas Jam E Boost. Ou Jamel, tu vois. Au moins, ça me fera pas dire Jam, tu vois. Je suis un peu américain sur les bords, c'est pour ça. Moi ça va hein, tranquille. Petit cast ce soir. J'ai fait un TikTok là qui marche plutôt bien. Putain, je suis choqué hein, en même pas quelques heures là. En quoi 4 heures de création. Laisse tomber l'engouement que ça fait aux gens. Incroyable. Incroyable. Et du coup, salut Tochet. Et du coup, ça va peut-être ramener des gens, hein, peut-être ramener des gens sur la chaîne et ramener des gens sur vos ligues. Ça serait cool en tout cas, ça serait vraiment cool. Et voilà, Rico qui a amélioré. Alors, je l'ai pas cast, mais on l'a vu. Hein, on l'a vu, il a amélioré, pas assez. Hein. Toujours grâce au meilleur. Ça va, psy. Ça va, mon poulet. Je t'ai attendu tout à l'heure, j'ai fait des petites parties sur Apex Legends et t'es pas venu. Après, j'ai dû aller manger et tout. C'est quoi le TikTok? C'est comme le nom de la chaîne Twitch. Exactement pareil. Tu l'écris pareil, tu vas me trouver. Et sinon, il y a les liens. Il y a des liens sur vos Discord respectifs. Ah, Rico qui part à la faute. Quel dommage! Quel dommage pour Rico. Quel dommage. Et on va aller sur Lucky Est. Alors, il faut pas que Rico gêne Lucky Est. Ouais, y a pas de souci, hein, mon poulet, tranquille. Hein. Tranquillement. Et Lucky Est, en tout cas, qui prend le meilleur secteur 2 et qui va encore améliorer son chrono. C'est incroyable. Incroyable de la part de Lucky Est, là. Et ça va faire un joli chrono. Un joli tour pour Lucky Est. Et voilà, il améliore de 3 dixièmes. Incroyable. Alors, je pense que la piste s'était améliorée. Et on voit que Setco est passé en dessous de la minute 18. Hein. Il a réussi à passer en dessous de la minute 18, mais là je pense que Lucky Est est tout simplement imbattable. Hein.
tout simplement imbattable pour Luquies. C'était Magazine qui va rentrer au centre et c'est fini. C'est fini, Luquies qui prend la pole position et qui réussit à faire un incroyable tour chrono. Magnifique, magnifique de la part de Lucky Est. Et je pense que là, il doit crier chez lui et se féliciter. Alors, bien sûr, Philippe Kéké l'a aidé. Hein, et la disqualification du jeu l'a aidé. Mais voilà. Ouais, tu peux voir quand même les vidéos. Tu dois peut-être même pouvoir mettre des likes. Je sais même pas, tu vois ça. Mais en tout cas, tranquille. C'est que tant que vous voyez, tu vois, c'est le principal. Ben, j'avais pas TikTok jusqu'à il y a 4 heures, hein, les gars. Je vous avoue que voilà. Hein. Mais bon, ça peut faire un petit peu de visibilité, on va dire. Tu vois, je fais. Ça permet d'avoir de la visibilité et visiblement de la bonne visibilité. Il n'y a même pas 4 heures. Il y a déjà une vidéo qui a 700 vues. Je sais combien de likes. Voilà. Hein. Ça permet de faire plaisir. C'est la base. Et d'ailleurs, il y a les vidéos de la XDR là qui plaisent beaucoup. Hein. Il a vu mon talent et ça y est, il me pique mon idée. Bah oui, mais c'est toi, tu m'as donné ton astuce là pour faire les vidéos et tout. Donc voilà. Hein. C'est bien d'ailleurs, hein, franchement, ça claque ce que t'as trouvé, poulet. Mais sur classe en plus. Ah, dis pas ça. Dis pas ça, ça va venir pour toi. Alors voilà, du coup, on revoit les classements que j'avais laissés hein, au début de la qualif, malheureusement. Et on voit que Infinite Kéké est devant. Mais, bien entendu, il s'est un petit peu raté, hein, entre guillemets, hein, raté dans ses qualifs. Il s'est pas du tout raté, en fait, c'est juste le jeu qui l'a disqualifié, malheureusement. Du coup, il partira dernier, dixième. Heureusement pour lui, ce soir il n'y a que 10 pilotes. Sinon, ça aurait pu être très compliqué. Des retardataires, peut-être, hein, qui vont arriver bientôt. Espérons-le. Mais en tout cas, la course commence là. Et ça va partir sur Zandvoort avec un petit peu de pluie. Un petit peu de pluie, espérons-le. Du temps un petit peu sec en fin de course. Et ça nous donnera une superbe course, comme d'habitude, à la F1 FL. Les pilotes qui choisissent leur setup, leur stratégie de course surtout. Choper la base. Ah, franchement, en tout cas, ça marche bien. Franchement, je suis choqué. I'm shocked. Eh non, Sixtron, il veut pas courir. Le jeu le saoule, en fait. Et c'est compréhensible. Hein. Il y a beaucoup de bugs sur le jeu. Hein. Il attend le 2022, il m'a dit. J'espère que ça reviendra. Et puis voilà. Après, ce qui l'embête un peu aussi, c'est qu'il n'a pas de collègue pour courir avec lui. Son coéquipier, il est jamais là en fait, apparemment. Et du coup, ça le saoule de courir tout seul, tu vois, chez Ferrari. voilà. Mais non, il court pas ce soir. Et voilà, on va voir là maintenant le tour de chauffe. Et on va partir sur des inters. Hein. On va partir directement sur des inters. Non, son pédalier, je crois que ça va mieux, je crois, son pédalier. À moins qu'il ait encore des soucis, mais dernièrement, ça allait. Hein, vu qu'il avait réussi à faire une course. Il a réussi à faire une course, là, je sais plus quand, dans la semaine. Donc, et Luquies qui part. Hein, Luquies qui n'a pas le temps, il chauffe pas les pneus, Luquies. Pourtant il faudrait quand même se chauffer les pneus. Alors c'est tendancieux à partir à la faute, c'est peut-être pour ça hein, qu'il ne chauffe pas les pneus.
Mais ça va lui faire prendre sûrement un mauvais départ. En tout cas, on aura sur la première liste, la première ligne, pardon, Luquest et Seth Eco, qui ont fait tous deux une très bonne qualification, hein, en dessous de la minute 18. Alors certes, Luquest est largement devant, mais très bonne qualification des deux pilotes. Ensuite, on a sur la deuxième ligne Tess Rico et Doug Thunder. Doug Thunder, malheureusement, qui a crash lors des qualifs dans un tour chrono qui avait l'air d'être très très bien. Sur la troisième ligne, on aura Nets et Xerox. Sur la quatrième, on aura Vixio et Magikarp. Et sur la dernière et cinquième ligne, on aura CT Magazine et Infinite Keke. Infinite Keke, je le rappelle, hein, disqualification lors des qualifs. C'est dû au jeu, pas dû à lui, bien sûr. Mais voilà, alors on va sûrement voir un très beau départ, hein, d'Infinite Keke, on s'en doute. On sait l'étendue du talent du pilote. Et il y a de grandes possibilités, hein, pour qu'il parte très très vite. À moins qu'il la joue sécure au premier tour. On le sait, hein, ça peut être risqué, hein, de partir s'engouffrer dans le peloton. Et ça va bientôt commencer. On voit que les pilotes sont sur la ligne de départ. Et on va voir, hein, sur le premier tour. Est-ce qu'un des pilotes va se démarquer tout de suite? C'est parti, et c'est parti. Tour qui commence bien. Et là, on a Luquez qui a réussi à faire ce qu'il fallait pour garder sa position. Et Setco qui essaye de s'engouffrer. C'était chaud, hein, c'était très très chaud. On voit déjà qu'Infinite Keke a pris deux positions là au départ. Et je l'avais dit, hein, il allait sûrement réussir à prendre le meilleur sur les pilotes devant lui dès le début. On sait que c'est un bon pilote. Hein. Et là, ça commence. Trois positions, hein, de prix sur Infinite Keke. Et il va continuer comme ça, c'est sûr. Alors Vixio va peut-être être un peu plus compliqué à prendre. Hein. C'est un bon pilote, Vixio. Et peut-être qu'il va faire ce qu'il faut pour le retarder un peu. Et je vais mettre la grande vue, en effet. Merci, Jam. Quelle erreur! Et Infinite Keke qui est déjà collé à Vixio là, comme je le disais. Ok, Poulet, à plus, bon stream à toi. Je viendrai après de toute façon. Certainement. Ah, désolé les gars, désolé. Je pense qu'il y a un petit peu de fatigue là, malheureusement. Parce que j'ai fait pas mal d'erreurs là sur le début du stream. Ah, et Infinite Keke qui part au stand là. Alors il a eu un contact, hein, puisqu'on va changer son aileron. Un léger contact, hein, on ne voit pas de dégâts, hein, sur l'aileron. C'est un léger contact, aïe aïe aïe. Et Lucky Est qui est toujours premier, qui garde sa première place. Luquez qui est déjà à une seconde, hein. Une seconde de Setco, et on sait, on l'a vu, il allait beaucoup plus vite en qualif, et visiblement il a un meilleur rythme également. Alors là on a des pilotes, hein, qui sont collés l'un l'autre. Doug Thunder, Nate qui se talonne, et on a un joli petit train, et ça va permettre peut-être à avoir un petit peu de spectacle, un petit peu de dépassement dans cette course, encore une fois sous la pluie. Alors peut-être que la pluie va s'atténuer assez vite, et ça permettrait bien entendu une stratégie un peu différente à chaque pilote. Ultra Rico. Et Rico qui fait de mieux en mieux, hein, en ce moment. Je le disais tout à l'heure pendant les qualifs, il fait de mieux en mieux, et il va sûrement réussir à peut-être gagner une autre course. Il me semble, hein, qu'il a déjà gagné une course, et ça serait sa deuxième, il me semble. Alors n'allons pas parler trop vite, espérons pour lui qu'il réussisse, hein. En tout cas pour le moment, il a Doug Thunder qui est collé à ses fesses, et il va falloir qu'il réussisse à le tenir. Alors il n'y a pas de DRS, il n'y a pas ce petit plus
qui aide au dépassement en ligne droite. Il va falloir vraiment bien ressortir hein, des virages si on veut réussir à doubler un pilote. Là, sous la pluie, clairement, c'est le pilotage hein, qui va tout faire. C'est le pilotage qui va tout faire. On voit qu'il y a un joli petit train. Les véhicules se suivent hein, à 2 secondes. Il y a 5 pilotes en 2 secondes d'écart. Et là, on voit que Doc Thunder s'est rapproché de Rico. Et Rico, il n'a pas l'aspiration hein, du pilote devant lui. Le pilote devant lui, cette coque est un petit peu trop loin pour lui. Et là, on va arriver dans la ligne droite qui va peut-être permettre hein, au dépassement. Peut-être permettre au dépassement. Au freinage, et non, hein, c'est un petit peu trop loin. Et ouais, ça va être très difficile, comme je le disais. Et Rico qui est vraiment un pilote en phase énorme hein, d'amélioration. Doc Thunder qui est vraiment colère. Hein. Il est bien ressorti du virage, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est ce qui va faire la différence. Il est à un dixième derrière le pilote... de chez McLaren. Alors il pleut encore beaucoup hein, sur la piste. On le voit à l'écran. J'espère que c'est aussi net pour vous sur le chat. Que vous voyez vraiment bien les détails. Et ouais, les pilotes là qui se suivent. Alors on a un pilote qui est parti à la faute visiblement, puisque ils étaient 5 à se suivre, il me semble. Et ils sont plus que 4. Vixio qui a réussi à reprendre le meilleur sur Xerox. Ok, si c'est propre. C'est très bien, le son, pas de problème, rien. Yo, Babaro Rum. Est-ce que c'est toi, Matt? Est-ce que c'est toi? Je peux peut-être me tromper, hein, mais il me semble que tu avais ce pseudo à un moment. Et Doc Thunder, eh oui, c'est toi. Comment vas-tu, Matt? Bien ou quoi? Et Doc Thunder qui est vraiment qui était vraiment proche de Rico là, mais qui s'est un petit peu éloigné. Alors peut-être une petite erreur. Ouais, ça twitch fort là en ce moment, je fais grave que ça, du cast, du Apex Legends, enfin il y a Voilà les soirées de stream là qui s'annoncent. Et puis j'ai un joli calendrier avec pas mal de leaks qui m'ont contacté pour justement cast tout ça. Donc ah, tu streams aussi sur Rocket et COD? Bah faudrait que je te follow pour voir ça. Rocket, je suis éclaté. Rocket League, je suis... Oh my god! Et COD, bon, c'est. Ouais, c'est compliqué. Les FPS en ce moment, maintenant c'est compliqué, hein, j'ai vraiment trop perdu. Ouais, c'est grave dur, hein, c'est grave dur. C'est trop dur, Rockets. Bah, franchement, COD, ouais, hein, Franchement, ouais, carrément, je faisais des bons trucs et tout, mais. Oh là là! Gros, je suis éclaté maintenant, vraiment. Ça se voit, j'ai pris de l'âge et je joue plus trop, tu sais. Enfin, ouais, c'était avant, c'est ça. C'était avant. Bah déjà, c'est OD, j'y joue plus trop, tu vois. Bah, depuis que je suis parti de la play, qu'on se voit plus en gros. Bah, voilà. Ouais, c'est ça, on vieillit. Ah, et la piste qui s'assèche. Le directeur de course qui vient d'annoncer l'activation du DRS. Et là, ça va aller au stand. Et voilà, on a cette co. Le premier pilote à aller au stand. Et je pense que malheureusement pour Lucky Est, c'est le tour de trop. C'est le tour qui va lui faire perdre
Pas mal de temps là. Et Rico pareil, Vixio pareil. Aïe aïe aïe, je pense que ces pilotes auraient dû continuer, ne pas continuer, pardon, et s'arrêter. Et là, c'est Setco qui va avoir la meilleure stratégie, visiblement. Rentrer en premier, partir sur des hards. Hein. Il va tenter de faire vraiment beaucoup de tours sur la Mercedes avec ses pneus hard. Tu m'as pas dit que tu faisais un petit, t'essayais de faire un petit peu de la course auto, non? Ou alors c'est un, non c'est peut-être, ouais non c'est, je crois que c'est quelqu'un d'autre qui m'a demandé des infos pour volant et tout. C'est pas toi, c'est pas toi. Je t'ai follow direct, comme ça je vais pas oublier. Parce qu'après, à la fin du stream et tout, vous oubliez, tu vois. Et là, comme j'ai ta chaîne. Setco qui commence déjà à rattraper. Ouais, ouais, c'est. Ah là là, quelle erreur de la part de Lucky S, de Rico, de Vixio, de Xerox et de CT Magazine. Ah ouais, toi t'es sur console. Ah ouais, ok. Ah, si jamais t'as besoin d'aide pour config PC, n'hésite pas, gros. Hein, parce que moi, je monte mes PC tout seul et tout. Hein, donc, vraiment, si t'as besoin d'aide, là, je tourne sur une config double PC. Hein, pour avoir la qualité d'image que tu as et tout. Et que le jeu tourne bien, je suis en config double PC. Après, c'est parce que j'ai des vieilles machines que je ne servais plus et tout. J'ai pu remonter un second PC, tu vois. Mais voilà. Après, si t'as les moyens et tout, tu peux te faire une bonne config pour stream, jouer en même temps et tout. Et ça peut le faire. Et Setco, oh là là, Setco, Lucky Est qui n'a pas du tout raté sa stratégie encore. J'ai encore eu une mauvaise appréciation sur le tour de Lucky Est en inter. Il avait finalement raison de rester et pourtant quand le DRS est activé par la commission de course, logiquement c'est qu'on perd énormément de temps hein, sur les pneus pluie ou inter. Et là, bah, il est à 6 secondes 4, il a un rythme incroyable le rythme du pilote là. Et là on va avoir Ned qui va passer sur Dux Thunder, Rico qui a perdu énormément de temps malheureusement, qui s'est fait prendre beaucoup de temps, et Ned qui fait le meilleur temps au tour. Avec une 14, il revient fort hein, sur cette course. On le voit là revenir sur cette course. Il va aussi dépasser, c'est sûr. Il arrive trop vite. Il est incroyable à Nate. Il va sûrement reprendre la deuxième position. Dux Thunder qui suit Nate là de très près. Hein. Il veut pas perdre le pilote. Oh là là, Lucky S qui s'est raté. Aïe aïe aïe, Lucky S qui s'est raté, c'est dommage, il était vraiment en forme, il avait 6 secondes hein, d'avance sur cette co et il a fait une grosse sortie de piste là. On peut pas avoir de replay malheureusement sur ce jeu, mais ouais, il a dû faire une énorme sortie de piste et on va voir du coup Lucky S revenir. Et c'était Magazine qui change encore de pneu là, alors il y a une grosse erreur je pense de stratégie de la part de CT Magazine. Ouais, il n'y a pas de souci, Matt. Bah, tu me dis sur Facebook. Hein. Sur Facebook, en message, là, tu me demandes et tout. Et voilà. Ah là là, Nate qui part à la faute après un petit contact avec Setco. Et là, Nate, il va perdre beaucoup parce qu'il va falloir qu'il laisse passer les pilotes. Et il faudrait pas qu'il soit disqualifié pour blocage illicite. De la part du jeu, ça serait dommage parce qu'il laisse juste passer les pilotes pour pas faire d'accident. Ah là là, Nets qui avait énormément là de rythme et qui perd tout, qui va à la faute. Ah là là, et c'est cette co du coup qui est plus constant, plus régulier avec ses pneus hard et qui va aller peut-être pas au bout, hein, mais qui va faire beaucoup de tours. Hein, beaucoup de tours avec ses pneus hard là. Il reste 26 tours, hein, ça va être peut-être un peu beaucoup. Mais voilà, et ouais, très très propre hein, le retour en piste de Nate, clairement.
un très très beau retour en piste de la part de Nate. Et cette course qui se fait suivre hein, de très près par Doc Thunder. Doc Thunder qui a les pneus médium, hein, donc un petit peu plus de rythme avec les pneus médium, c'est normal. Et probablement qu'il joue en stratégie de toute façon décalée. Infinite Keke qui prend 3 secondes de pénalité. Et là, on va avoir quand même déjà pas mal de pénalités hein, pour les pilotes. Il va falloir pas se passer au stand pour enlever les pénalités de Doc Thunder, de Lucky Est et de Nate. Alors ça sera au prochain arrêt, je pense. Et Infinite Keke qui va prendre 3 secondes, quoi qu'il arrive. C'était Magazine qui va bientôt se faire remonter. Et perdre un tour sur les pilotes devant lui. Enfin, du moins, c'est peut-être déjà fait. Hein. Je vois la carte, ça a l'air d'être déjà fait. Ça paraît étonnant parce qu'on n'est pas sur un rythme à 1 minute 12, mais il est loin derrière en tout cas. Et cette co qui va se faire doubler par Doc Thunder là. Très bien joué, hein. Très bien joué de la part de Doc Thunder. Là, il passe et en plus, il passe pas qu'un peu. Il passe très très bien, c'est propre. Les deux pilotes se sont laissés la place, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est une très belle course là des deux pilotes. Ouais, il n'y a pas de souci, Babar. Merci d'être passé en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être passé. Merci encore pour le follow. Et à la prochaine, gros. Et ouais, là, il y a Doc Thunder, du coup, qui reprend du temps sur cette co et qui va s'éloigner de cette co. Et ça va lui permettre hein, de peut-être garder, avec la stratégie, attention, bien sûr, hein, de garder... La première position s'il arrive à s'éloigner hein, du pilote, il faut qu'il réussisse à s'éloigner et surtout partir de la seconde d'écart pour ne pas avoir le DRS. Et on voit là très bien que cette co a le DRS et il se rapproche hein, il se rapproche dans la ligne droite inexorablement, c'est obligé hein, avec le DRS on ne peut faire que ça. Et on voit Lucky S hein, qui est déchaîné. Lucky S, il a fait une erreur, il le sait et il doit remonter. Il doit tout faire hein, pour revenir. Et Dox qui n'a plus de RS. Effectivement, il n'a plus de RS. Dox, ça va être dur. Ça va être dur. Il n'a pas assez bien géré hein, son RS. Infinite Keke qui va passer sur Magikarp. Et qui va peut-être arriver sur Rico bientôt. Et on le sait que Infinite Keke a eu un souci lors des qualifs, malheureusement. Il perd 10 positions pour rien. Et il doit tout remonter. Alors il va avoir du mal hein, à prendre le podium parce que les trois pilotes qu'il y a devant sont très forts. Mais on a un pilote qui a soif de revanche. Et qui va devoir tout donner. Hein, tout donner avec des pneus hard, donc des pneus. Décalé par rapport au pilote devant lui, ça peut être très compliqué. Et là dans la courbe il va même pas prendre l'aspiration, il va jouer au DRS, à l'ERS et non il met même pas l'ERS hein. Et il passe assez facilement sur Rico, il passe même plutôt très facilement hein, sur Rico. Alors là voiture n'a pas l'air d'être trop abîmée. Hein. On sait qu'il est rentré en tout début de course dans les deux premiers tours. Post-stand pour changer un aileron avant et il n'a pas vraiment de dégâts apparents sur le fond plat ou autre. En tout cas, il n'en donne pas l'impression, vu ce qu'il nous fait là sur la piste. Et il est déjà à une seconde hein, de Rico.
Il y a déjà une seconde. Et là, on a Lukies hein, qui est revenu très près Setco et de Doc Thunder. Et ça va être la bagarre là. Ça va être la bagarre. Et il essaye de faire l'extérieur. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable ce qu'il a tenté. Il va passer. Et il met tout son ERS hein, pour passer. Il faut pas qu'il perde de temps. Il a bien raison. Et c'est passé. Hein. C'est passé pour Lukies. Il est vraiment plus rapide là hein, que les deux pilotes devant lui. Et il faut surtout pas repartir à la faute par contre. Parce que sinon, tous les efforts auront été vains. Et c'est bientôt. Hein, c'est bientôt là. Une autre prise de position pour Doc Thunder. Alors n'hésitez pas les gars sur le stream à faire des clips que je pourrais remettre moi après en modifiant un petit peu sur TikTok. Mais là, c'est incroyable. Hein, c'est incroyable. Chest est vraiment plus rapide et a des pneus en plus plus frais d'un tour. Alors c'est pas énorme, hein, plus frais d'un tour, ce n'est pas énorme, mais voilà. Et Setco par contre, il réussit quand même bien à garder les deux pilotes devant lui. Hein. Il perd pas trop de temps malgré qu'il soit en hard. Et c'est plutôt bien joué pour lui. C'est plutôt bien joué de sa part. Et voilà, Lukies qui passe dans le banking sur Doc Thunder. Doc Thunder qui va essayer de garder le maximum de distance réduite entre lui et Lukies. S'il réussit à avoir le DRS, ça peut l'aider hein, à partir de Setco. Il faut qu'il réussisse tout simplement à faire ça. Mais on voit que Setco n'est pas du tout d'accord. Hein. Pour ça, il suit Doc Thunder à la trace. Deux dixièmes seulement entre Doc Thunder et lui. Et là, faut pas cligner des yeux hein, au point de freinage parce que sinon, c'est la catastrophe. Hein. Clairement, c'est tellement près. Il y a Nets qui part au stand là, qui va mettre des pneus tendres. Nets qui met des pneus tendres là pour essayer de rattraper le peloton après son erreur. Hein. Il a dû laisser passer tous les pilotes pour ne pas revenir comme un sauvage sur la piste et du coup il a perdu ses positions malheureusement pour lui. Hein. Doc Thunder qui va probablement se faire rattraper par Setco et Vixio qui est derrière là. Vixio qui s'est rapproché énormément. Et lui il fait pas de bruit mais il est bien là. Et il va tout faire hein, pour gravir cette marche, cette dernière marche du podium. Et ne pas rester à la porte, hein. Bien entendu. Mais c'est très serré là, c'est très serré entre les trois pilotes. Il y a de l'action, Magikarp hein, qui laisse passer son coéquipier visiblement. Magikarp a clairement laissé passer son coéquipier. Hein. Et ouais, les deux féfés là, effectivement, ne rigole pas. Et Vixio qui est dans une forme incroyable. Et ça pourrait grandement aider hein, son coéquipier s'il arrivait à passer les deux pilotes devant lui. Hein, clairement, alors. Il y a vraiment pas beaucoup hein, entre les deux pilotes. Ah là là, il part à la faute. Aïe, 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 aïe. Ah, et puis la voiture qui prend des dégâts à l'arrière. Alors là, ça va être compliqué. Hein, ça va être compliqué, il faut faire attention sur la revenue en piste. Et c'est bien revenu en piste, c'est très bien revenu en piste. Et là, la voiture va être forcément abîmée à l'arrière. Et ça va être très compliqué, hein, très, très, très compliqué pour lui de revenir. Et Infinite Keke qui est arrivé comme un fou furieux, hein, qui prend la quatrième place. Et qui a plus que 5 secondes. Hein. 5 secondes sur Doc Thunder. Il revient et l'écart fond comme neige au soleil. Hein. Clairement. Ah là là, l'erreur de Vixio. Quel dommage. Hein. Quel dommage pour Vixio. Il avait un rythme incroyable. Et ouais, le fond plat, effectivement. Le fond plat va être saccagé. Là, hein. Ça va être très compliqué maintenant pour Vixio. En tout cas, Doc Thunder qui reste bien derrière cette co. Et Nets qui fait le meilleur temps autour, une 13.
et 2 millièmes. Une 13 et 2 millièmes. C'est plutôt pas mal de la part du pilote là. Doc Thunder qui a perdu pas mal de temps là sur cette course. Alors je n'ai pas vu ce qui s'est passé, j'ai été en train de regarder d'autres données et Infinity Kick par contre qui revient. Oh là là là, Infinity Kick qui revient fort et probablement que les pneus médium commencent à souffrir grandement. Alors on sait que de toute façon ils vont repasser sur des hard derrière frais, c'est fort probable, ou alors pousser pour mettre des tendres, hein. C'est possible aussi. Et Vixio qui a eu quand même beaucoup de chance dans son malheur, hein, parce qu'il aurait pu complètement détruire la voiture. Hein. Il aurait pu détruire la voiture et être tout simplement devoir sortir de son véhicule, abandonner la course tout simplement. Et Infinite Kéké là qui a un rythme incroyable. Infinite Kéké, il a vraiment un rythme incroyable. Il est parti 10ème, il a dû rentrer au stand et là il est 3ème. Il vient tout juste de dépasser notre pilote de chez Alfa Romeo là, Doc Thunder, qui ne peut strictement rien faire, hein, avec le rythme qu'a Infinite Kéké. Il ne peut rien faire et il reste encore 16 tours, hein. 16 tours, la course est vraiment animée là ce soir. Et c'est vraiment intéressant, hein, vraiment intéressant là à regarder cette co qui va inexorablement se faire rattraper par son coéquipier Infinite Kéké. Et il le sait, hein, de toute façon il le sait qu'il est moins rapide que son coéquipier, je suppose, et il le sait aussi qu'Infinite Kéké a la rage de vaincre après sa disqualification des qualifications. Rico qui est juste derrière Vixio. Rico qui est juste derrière Vixio. Et à mon avis, Vixio, bah ouais, hein, le fond plat est détruit. Et là, on va plus pouvoir faire grand chose pour réussir à rester sur la 5ème place. Hein. Ça va être un combat de tous les instants pour Vixio pour garder cette 5ème position. Infinite Kéké qui vient de battre le meilleur temps de Nate sur des tendres. Hein. Et Infinite Kéké, je le rappelle, il est en hard. Alors là, ça promet, hein, pour les quelques derniers tours. Et si jamais Infinite Kéké rentre et met des pneus tendres, il va falloir que les autres pilotes derrière n'aient pas du tout à rentrer et prient, hein, pour que ces tours soient pas aussi bien. Et je ne pense pas qu'Infinite Kéké va rentrer. Il va sûrement continuer avec ses pneus jusqu'à la fin. Il y a de grandes possibilités. Hein. Il y a de très grandes possibilités. Alors là, on voit Rico qui a perdu un petit peu de temps sur Vixio. Vixio qui ne lâche rien. Hein. Vixio qui ne lâche rien. Et on va voir Infinite Kéké qui revient là sur son coéquipier. Alors, est-ce qu'il va y avoir bagarre? Ou est-ce que le coéquipier d'Infinite Kéké va tout simplement lui laisser champ libre, sachant qu'il est moins rapide? Il y a de grandes chances, ou pas, hein, ou pas, à voir. En tout cas, cette co qui ne lâche rien non plus, qui veut à tout prix, hein, sa position. Et en tout cas, il veut ce podium, et c'est logique, c'est normal. Mais je pense que les pilotes là vont devoir repasser au stand, hein, les pilotes en pneus médium. Et les pneus hard aussi après. Peut-être qu'ils vont faire un double médium en stratégie, c'est possible. C'est fort probable. Et voilà, Xerox qui rentre au stand, qui met des pneus tendres. Il met des pneus tendres, Xerox. Ouais, c'est ok. Il lui restera quelques 14 tours à faire. Avec des pneus tendres, hein, ça va être chaud, hein, quand même. Je tiens à le dire. Et voilà, Infinite Kéké qui passe.
sur cette co. Et c'était plutôt joli à voir. C'était plutôt très joli à voir. Et maintenant, il est à 9 secondes. 9 secondes de Lucky Est. 9 secondes. Et on a 13 tours. 13 tours. Alors là, il va falloir avoir un rythme effréné, un rythme de fou pour prendre la première position. Hein. Clairement, il va falloir faire ce que aucun autre pilote de la Ligue n'a fait. Ah là là, et là, une sortie de piste. Sortie de piste de la part de Xerox. Et la voiture est détruite, c'est fini, il va y avoir une voiture de sécurité. Voiture de sécurité, et là, ça fait pas du tout les affaires à Lucky Est. Pas du tout, hein. Pas du tout les affaires pour Lucky Est. Et là, je pense que les pilotes vont rentrer au stand. Les pilotes vont rentrer au stand pour changer les pneus. Et là c'est vraiment malheureux hein, pour Lucky Est. Hein. Parce que il avait le temps pour lui. Les tours étaient comptés. Et malheureusement, la voiture sécurité qui va tout effacer. Hein, tout effacer. Et Lucky Est qui va tout perdre probablement. Alors il va falloir qu'il se batte hein, contre Infinite Keke. Ça va être très très dur je pense. Et il rentre, hein. Et il rentre, Infinite, Lucky Est, pardon, qui rentre, et juste derrière, c'était Magazine, hein. Juste derrière, c'était Magazine, et Infinite Keke. Est-ce que Infinite Keke va rentrer? Oui, il rentre, Infinite Keke, c'est normal, ils vont tous partir sur des pneus rouges, peut-être. Ah oui, et puis Lucky Est qui est sous pénalité, et qui repart avant Infinite Keke, et les deux pilotes partent en pneus tendres. Et ouais, hein, les pilotes qui passent tous en pneu tendre. Ness qui est parti en pneu médium par contre. Il aurait peut-être pu partir en pneu tendre. Hein, Nates, est-ce qu'il en avait encore par contre? C'est là la question. Et voilà, hein, on part en pneu tendre. Et Doc Thunder, pareil, qui met les pneus tendres et qui va repartir avec son Alfa Romeo. Et on va aller sur le TS qui est derrière. Hein. La voiture de sécurité. Sur l'écran des classements et voir hein, un petit peu le classement, voir que Infinite Keke est vraiment devant. Alors c'est Shelby hein, qui est deuxième, Jidak troisième. Ces deux pilotes ne sont pas là hein, ce soir. Petite absence des deux pilotes. Ça va leur faire perdre quelques points pour le championnat, c'est dommage. Mais on a quand même Lucky Est qui est juste derrière, un quatrième au classement. Et là, il est premier. Il a quelques points à gagner sur les pilotes absents et sur le pilote qui est premier au classement. Il va falloir tout donner. Hein. Vixio qui a réussi à revenir, quatrième. Doc Thunder qui a perdu beaucoup avec sa pénalité, malheureusement. Une voiture de sécurité qui va attendre les pilotes. Nets qui est parti à la faute, visiblement. Aïe, aïe, aïe. Nets qui est parti à la faute, mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour Nates? Ah là là, on l'a pas vu, mais Nates qui est parti à la faute là. Et Nates qui est NT, abandon de Nates, la voiture est partie à la faute dans le secteur 2. Dans le premier virage hein, du secteur 2, aïe aïe aïe. Nates qui faisait une bonne course, qui avait un bon rythme et qui a perdu beaucoup là. Hein. Et ouais, je comprends ta peine, Nate. Qu'est-ce qui s'est passé, Nate? Dis-nous tout. On a vu hein, la voiture qui était partie début du secteur 2 là. Sur safety car, t'as sûrement perdu hein, en chauffant les pneus. Dis-nous. Yo, Twig, comment vas-tu?
La Bernique, le seul et l'unique. Tu vas bien, Twig? Oui, ma chérie. Ah. Alors, je vais remettre la scène du jeu et je reviens tout de suite. Désolé les gars, je disais au revoir à ma fille. Et du coup, Nate, tu es en colère, visiblement, pas un mot à dire. Et la voiture de sécurité qui va probablement rentrer à la fin de ce tour, puisque c'était magazine, arrive derrière le peloton. Et tout est à refaire pour Luquies qui avait un écart conséquent avec Infini de Kéké et qui va peut-être tout perdre malheureusement. Ah là là. Et là c'est vraiment dommage pour lui. Hein. Il aurait probablement mérité hein, la victoire. Alors, mon jeu a crash, donc je le relance et quand je reviens dans la session pour reprendre le contrôle du bot. On redonne la voiture en plein milieu du banking à fond, donc impossible. Ah ouais. Oh là là, les boules, putain. Ah ça, c'est super mal fait. Hein. Clairement, les revenus en game qui te lâchent en plein milieu du virage, là, c'est totalement merdique. Hein. Ah, c'est dommage. T'avais fait un beau truc en plus, hein. On a vu tes dépassements et c'est dommage. C'est dommage, Nate. Désolé pour toi, en tout cas. Et voilà, la voiture qui va revenir en piste. La scène est bonne. Et Luquies qui va devoir faire tout hein, pour ne pas laisser passer Infini de Kéké. Ça va être vraiment compliqué. C'est ce qui va être vraiment compliqué, là. Luquies qui a réussi à faire un redémarrage comme il faut. Hein. Oh là là, il plonge Infini de Kéké, c'est incroyable. Incroyable ce qu'Infini de Kéké a fait. Et il laisse repasser Luquies. Il a dû y avoir un petit contact. Et dans le fair play, il laisse repasser Luquies clairement. Et c'est plutôt bien vu hein, de sa part de ne pas garder la position. Alors on n'a pas vu de contact nous, mais il a dû y avoir quelque chose hein, pour qu'il le laisse repasser. Alors j'espère que la course à Luquies n'a pas été gâchée là hein, sur un éventuel contact. Et Magikarp qui part à la faute. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de voiture de sécurité là. Bah ouais, clairement c'était ta chance là. Franchement t'avais un rythme incroyable et ouais ça t'a un peu niqué la course là malheureusement. La déco, c'est la tristesse. Moi, je me plains de ma cour en ADSL, mais elle est quand même relativement stable au final. Et j'arrive quand même à fournir une bonne qualité de stream. Alors, je vais peut-être arrêter de me plaindre. Hein. Ok, Nate, merci en tout cas d'être passé. Merci d'avoir donné ton avis. Et puis bah à la prochaine hein, pour une prochaine course. Bonne nuit, soirée à toi. Et Infini de Kéké qui est derrière et qui ne lâche rien. Hein. À la prochaine Nate. Infini de Kéké qui va rien lâcher. Doc Thunder qui est derrière Rico et qui est assez proche là de Rico. Alors est-ce qu'il peut réussir à le passer là dans ces quelques virages? Et il freine un petit peu plus tard Doc Thunder et il a peut-être un meilleur rythme. Hein. Il est peut-être un petit peu bloqué par Rico là. Il essaye, hein, il se monte dans les rétros. Il fait voir qu'il est là Doc Thunder. Et là, ça va être compliqué pour Luquies de résister.
au pilote, il n'y a pas encore de DRS, hein, et heureusement pour Luquiez, parce que là, clairement, Philippe Kéké, il est plus rapide, il est devant en termes de chrono, encore une fois, et voilà, le DRS qui est activé, et Luquiez qui va certainement perdre beaucoup, et Doc Thunder qui a réussi à passer sur Rico, et maintenant c'est Rico hein, qui est à la poursuite de Doc Thunder. Et ouais, Rico qui a perdu beaucoup de temps là sur les virages rapides du premier secteur. Et il reprend, il regagne un petit peu de temps là dans les longues courbes. Ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. On va repartir hein, sur Luquiez tout de suite parce qu'il y a de l'action devant aussi. Oh là là, Luquiez qui a pris le vibreur là. Voilà, c'est très compliqué pour Luquiez. Et il les avait les 10 secondes d'avance. Et malheureusement, le safety car qui a tout faussé. Le safety car qui a tout faussé. Et c'est même pas sur une erreur d'un pilote en plus. Comme nous l'a dit Nate, c'est une simple déconnexion. Hein, une simple déconnexion. Et Luquiez qui va perdre la première place. Et Luquiez qui ne peut rien faire. Hein. Luquiez qui ne peut rien faire. Et pourtant, il avait fait le travail. Il avait la première position. Et c'est vraiment malheureux. Hein, vraiment malheureux pour Luquiez. Il tenait sa victoire. Alors on va pas faire démériter hein, Finit Keke hein, qui est parti de la 10ème position, qui a été lui disqualifié pour aucune raison par le jeu. Mais il mérite aussi hein, la victoire bien entendu. Mais voilà, hein, clairement ça doit être vraiment pas facile là encaisser pour Luquiez hein, qui a mené depuis le début de cette course, qui est parti à la faute et qui est revenu, qui a réussi à reprendre la première place. Et ouais, ça va être très compliqué. Et les deux pilotes ne se lâchent pas hein. Les deux pilotes réussissent à se suivre. Luquiez qui est dans la seconde hein, qui va avoir le DRS, qui va reprendre du temps, et Infinite Keke qui essaye de faire le serpent là pour ne pas se faire prendre l'aspiration. Et Infinite Keke qui va conserver sur ce tour la deuxième position. Et est-ce que les deux pilotes vont encore nous fournir une bataille? Ça va être difficile hein, puisque Luquiez a un petit peu moins de RS que Infinite Keke. Et Luquiez qui est à 5 dixièmes hein, seulement d'Infinite Keke. Il faut juste qu'il réussisse à ressortir bien de son dernier virage. Et mieux qu'Infinite Keke, c'est la seule condition pour réussir à reprendre un petit peu de temps. Et gagner peut-être la première place de cette course. Infinite Keke qui prend 3 secondes. Infinite Keke qui prend 3 secondes. Et là, c'est la chance. Hein. C'est la chance pour Luquiez. C'est la chance pour Luquiez de revenir. Hein. Et de garder sa première place surtout. Il faut juste rester dans les 3 secondes pour 4 tours. Hein. 4 tours et 3 secondes. Alors s'il reste dans les 5 dixièmes là qu'il a, il gardera sa première position. Et maintenant, il faut qu'Infinite Keke donne tout. Pour partir, pour s'échapper. Et il faut que Luquiez ne donne pas tout pour ne pas risquer une pénalité lui par contre. Mais il faut en même temps qu'il donne tout pour rester dans les 3 secondes. Alors ça va être compliqué. Hein, ça va être compliqué. Setco en tout cas qui fait une très bonne course. Hein, Setco, Vixio, ouais, les pilotes là font vraiment une très très bonne course. Que dire de plus hein. Il y a eu du spectacle hein, dans cette course. Il y a eu des dépassements et on voit encore du spectacle avec Luquiez et Infinite Keke sur ses derniers tours. Et Luquiez qui reprend en plus du temps sur Infinite Keke là. Dans le banking, il va peut-être réussir à revenir et à prendre la première position. Et il se rapproche énormément, mais ça va pas suffire. Hein, ça va pas suffire.
pour reprendre la première place. Il a virtuellement bien sûr la première place avec ses 3 secondes de pénalité. Mais c'est pas encore fait. Il faut passer la ligne d'arrivée. Et il faut passer la ligne d'arrivée avec moins de 3 secondes d'écart. Avec le pilote devant lui. Un Philippe Keke qui va quand même, je pense, être élu pilote du jour après une telle remontée. Et là, ça ne bouge plus, hein, ça stagne hein, pour Infinite Keke et Lucky Est. Alors Infinite Keke ne va pas se laisser dépasser comme ça, bien entendu. Et là, on voit Doc Thunder qui est à l'aspiration sur Vixio qui va prendre l'extérieur. Et Vixio qui ferme la porte, ah là là. Vixio qui a retardé au maximum hein, son freinage et... Et Doc Thunder qui aurait dû hein, prendre la position là. Et il a failli y avoir contact. Hein. Si c'est pas un contact qu'il y a eu, non, il a failli y avoir un contact hein, là sur le freinage raté de Vixio. Et c'était très très chaud là. Hein. C'était très très chaud. Doc Thunder qui peut encore espérer la quatrième position. Il lui reste encore deux tours. Deux tours, c'est rien. Et ils sont qu'à 3 dixièmes. Et il a encore de l'ERS, du DRS. Et il va tenter là peut-être. Et non, hein, c'est risqué. Il ne tente pas. Il va tenter sûrement sur la grande ligne droite. Alors il faut ressortir bien. Comme je le dis depuis tout à l'heure, il faut juste ressortir bien de ce banking. Et à 5 dixièmes, c'est un peu loin, c'est même très très loin hein, malheureusement. Et il n'y a plus de RS, alors ça va être compliqué. Il n'y a plus de RS des deux côtés. Et ça va être compliqué, hein. Il faut ressortir parfaitement du banking pour réussir à reprendre la position. Un tour pour conclure. Après, il sera trop tard. Et Infinite Keke. Qui est toujours devant, hein, mais qui a toujours ses 3 secondes de pénalité. Doc Thunder qui va tenter une dernière fois de passer sur Vixio. C'est le dernier tour où ça sera possible. Après, il sera trop tard. On ne pourra plus bénéficier de l'ERS dans la ligne droite. Ou pas assez, en tout cas. En tout cas, les Ferrari qui sont en forme hein, aujourd'hui. Et les Mercedes également, hein, puisqu'on a les deux pilotes Mercedes et les deux pilotes Ferrari, l'un derrière l'autre. Doc Thunder qui va essayer de tenter quelque chose là. Il faut bien ressortir, il faut prendre le virage parfaitement. Et voilà, on est à moins de 4 dixièmes et ça va peut-être le faire pour Doc Thunder. Ça va peut-être passer ici avec le DRS au freinage. Et voilà, il se replace à l'extérieur, il a pris l'avantage. Et logiquement, ça sera bon pour lui. Et voilà, il est passé. Il est passé, Doc Thunder et Vixio qui repasse là. Oh là là, Vixio qui repasse. Il y a eu un petit contact. Hein. Il y a eu un petit contact. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, quel dommage pour Doc Thunder. C'était presque fait, mais il a fallu pas compter hein, sur l'aide de Vixio pour ça. Bien entendu, il a bien défendu visiblement. Il y a eu un petit contact, mais... rien de bien grave, en tout cas pour moi. La FIA en décidera peut-être autrement. À eux de voir par la suite. Et Rico qui est bien revenu là, clairement, hein, sur le pilote, les deux pilotes devant lui qui sont en pleine bagarre. Rico qui va peut-être mettre la pression hein, sur Doc Thunder. A voir, et voilà, Lucky S qui passe la ligne d'arrivée après Infinite Keke avec les secondes de pénalité. Lucky S prend la première place du Grand Prix là. Bravo à Lucky S.
Et là, est-ce que Doc Thunder va réussir à passer? Non, il réussira pas à passer, Doc Thunder, malheureusement. Et les pilotes qui se suivent, et c'est fini. C'est fini, et c'est bien joué. Hein. C'est très bien joué. Oh là, il y a une voiture qui s'est explosée là, visiblement, sur la ligne d'arrivée. Et voilà, Luquies qui gagne la course. C'était Magazine, hein, le dernier pilote en piste. Il va passer bientôt la ligne d'arrivée et qui va finir cette course 7ème avec un tour de retard. Un tour de retard et bien entendu le principal c'est de finir la course, hein, et de gagner quelques points avec cette 7ème position. Bah, bravo aux pilotes, bravo aux pilotes pour le spectacle donné. Il n'y avait que 10 pilotes ce soir, mais on aurait pu vraiment se dire qu'il y en avait 20, hein, sur la piste ce soir avec le nombre de dépassements, le spectacle qu'il y a eu. Bravo à tous les pilotes et voilà, Infinite Keke, pilote du jour comme je l'avais dit. Bravo à tous. Belle performance des pilotes ce soir. Et voilà, on a le classement final et on va clairement, hein, voir ce soir Luquies, Infinite Keke et Setco dans l'interview. S'ils veulent bien venir, ça serait bien. Ce serait bien. Bonsoir. Yo. Comment vas-tu, Luquies? Oui. Yo Infinite Keke. Voilà. Yo Setco. C'est le jour. Eh bien, GG à vous les gars. Course de fou furieux ce soir. Franchement. Ouais, Lucky, j'ai. Sur le moment, en fait, j'aurais pas entendu le boom que tu m'es tapé parce que j'ai manqué mon freinage. Tu vois. J'aurais pas entendu ce bruit-là, je t'aurais pas laissé passer. Parce que je me dis, il a essayé de me décroiser, tant pis, il a pas réussi, tu vois. Merci, merci Toché. Du coup, je dis bon, merci à toi. Je me suis mis cash sur le côté, je t'ai laissé passer. Ouais, merci cool. À toi. J'espère que le stream était cool à regarder, les gars. En tout cas, allez, on va passer à l'interview. Je t'aurais cassé la lance. On entend une petite discussion entre les deux pilotes. Là, on est à la fin du podium. Très doucement. Et ça faisait un petit peu peur. Et je me suis dit, tu vas avoir le point de l'aileron un peu abîmé. Mais les gars. Yo, les gars. Yo salut, les gars, bien joué à vous les gars. Une course franchement incroyable. Hein. J'ai eu l'impression qu'il y avait 20 pilotes ce soir. Ouais, bon. Clairement, hein. Franchement, vous étiez 10. J'ai eu l'impression qu'il y avait 20 pilotes. Il y a eu des dépassements de fou. Bah, Nate, c'est ouais, parti là, mais bon. il a fait une bonne course. Malheureusement, il a eu une déconnexion. Infinite Keke, pareil, t'as remonté comme un diable. Luquies, t'as fait vraiment une très bonne course. Petite erreur et t'as réussi à remonter, à offrir des dépassements aussi vraiment sympa. Et puis bah, Setco, pareil, hein. D'ailleurs Setco, on va commencer par toi. Tu fais P2 au qualif, une bonne qualif de ta part. Tu arrives en dessous de la minute 18. T'es un des deux seuls pilotes à avoir réussi. GG à toi. Et puis après, bah, tu fais une très bonne course, hein, pour prendre la troisième position. Bah, dis-nous tes ressentis sur la course et encore GG à toi. Pas grand chose. J'ai juste une petite interrogation à un moment, Vixio, sur la relance de safety car. Je sais pas si t'étais sur moi, mais parce que j'imagine que tu devais être sur Keke, mais j'ai eu. Il a essayé de me doubler après au deuxième virage qui est très compliqué pour doubler. Et, merci Toché. À ce moment-là, puis à part ça, non, pas grand-chose. Moi, j'ai été dans un GP plutôt calme. J'ai laissé passer Keke pour essayer de choper Lucky, puis c'est tout quoi. Attends, juste, je précise de ce moment-là, là, cette chose duquel tu viens de parler, virage 2 à la relance. Ouais. J'étais en vocal avec lui et du coup, je connais coéquipier. Il a pété un câble, il a fait waouh, cette chose, c'est pas possible, il a un truc contre moi. Le problème, c'est que dans ce virage-là, c'est
J'ai pas assisté au briefing, hein, mais j'ai fait plusieurs GP solo dessus, et quand j'ai essayé de doubler, hein, avec les bots à l'intérieur, à sa place, pile à sa place, et c'était, enfin, c'est pas possible. Et puis il était bien derrière moi, enfin, il était pas à mon niveau, quoi. Donc il a essayé, puis il a vu que ça allait pas, il a refreiné, mais juste après, je vais essayer de me laisser l'espace en lui montrant, je suis désolé frérot, quoi, mais. Mais je pouvais pas vraiment faire plus parce que quand tu arrives dans ce virage-là, tu as de la vitesse, etc. Et si tu te laisses partir sur le côté, après, bah, ça te fait perdre la place automatiquement. Et juste, t'es trop proche dans le virage. Moi, j'ai beaucoup trop peur. Et jamais j'oserais essayer de doubler dans ce virage. Donc, bah, je suis désolé si j'ai refermé la porte. J'ai essayé de... Que non. J'en discutais avec Keke, il a pu le dire. Je suis en parlant en vocal. Mais voilà. Je Bon, m'excuse t'inquiète pas. auprès de Vixio. T'inquiète pas. Bah Bon, du coup, c'est parti. du coup cette course en tout cas GG pour ta course. T'as quand même fait une belle course, hein, clairement. GG à toi. Infinite Kéké. Alors Infinite Kéké, il y a eu beaucoup de spectacles de ta part, des dépassements et malheureusement une qualification totalement ratée, disqualifiée par le jeu. Va falloir que tu nous expliques ça en premier temps. Et puis après, quelle course incroyable hein, de ta part, réussir à revenir à une petite erreur qui te donne 3 secondes de pénalité. Toi comme Lucchese, de toute façon, vous méritez clairement la victoire tous les deux. Malheureusement, les secondes de pénalité ne te permettent pas de te placer en première position. Mais GG à toi, explique-nous un petit peu ta course et surtout ce qui s'est passé aux qualifications. En qualif, c'était voulu. En fait, c'est parce que vu que j'avais pas mes concurrents directs pour le championnat qui étaient pas présents, donc c'était comme Lucas, c'était quand même un peu de points de retard. Shelby Jidag Jidag. et ouais, Shelby Jidag était pas là. Je me suis dit, je vais pas faire la qualif. Je me suis fait des excuses juste pour le fun. Pour partir Le derrière. beau jeu. Le Okay. beau Voilà. jeu. Là, c'était le beau jeu. Et du coup, bah départ, je prends 3 places juste à l'extinction des feux. Ouais. Donc même pas au premier virage, j'ai déjà dépassé 3 personnes. Et le truc, c'est que j'arrive sur Vixio et stratégie Ferrari. Bien joué Lucky, tu peux remercier ton teammate. Merci. Qui en fait dans le premier virage du troisième secteur, en fait, il a un peu suivi les pointillés verts. Du coup, en fait, j'étais à l'inté, mais j'avais pas beaucoup de place. Du coup, j'ai dû monter sur le vibreur à l'inté, j'ai rebondi sur lui. Du coup, j'ai cassé l'aileron directement sur son bashboard. Du coup, j'ai fait mon arrêt bah, dès le tour 1. Donc du coup, j'ai attaqué. Comme un ouf, sauf que bah au moment où je coupe, quand je l'ai tapé, Vixio, j'ai pris instantanément sans avertissement, j'ai pris 3 secondes, en fait. Donc du coup, j'ai été énervé pendant toute la course. En mode faut que j'attaque parce que j'ai 3 secondes de péna. Au début, j'ai vu que Lucky il était à 10 secondes de moi avec une pénalité de 5 secondes en médium. Je savais qu'il allait pas au bout. C'était sûr qu'il allait faire un arrêt. Du coup, je comptais anticiper mon arrêt. Mettre directement moi des médiums. Aller au bout. Donc j'allais lui faire un espèce de gros undercut, parce que vu qu'il avait 5 secondes de péna, il serait forcément sorti derrière moi. Voilà, quoi qu'il arrive. Et je pense pas que s'il avait attendu trop longtemps pour ressortir, enfin pour rentrer au stand, je sais qu'il serait sorti avec trop d'écart pour me reprendre du temps pour être à moins de 3 secondes. Et je savais que s'il faisait comme moi, il avait pas le rythme pour me tenir sur une longue durée. Donc du coup, bah voilà, après il y a eu le safety car, j'étais content, j'ai repris 3 secondes après la relance de la safety car. C'est ça. J'ai fait un gros dive bomb, pas du tout vraiment maîtrisé sur le key, j'ai vraiment freiné trop tard cette fois. Et du coup, vu que j'ai abusé, j'ai entendu qu'il y avait une touchette dans mon casque, je me suis tout de suite mis sur le côté, j'ai laissé repasser. Ok, ça on n'avait Comme pas ça. vu hein, sur le stream. J'étais sur vous deux pendant la bagarre et on n'a pas vu de touchette. Alors effectivement, je l'ai mis hein, la touchette quand j'ai vu que tu ralentissais pour relaisser passer Lucky Est et voilà. Voilà. Du coup, je l'ai laissé repasser. Du coup, bah, mon objectif c'était de rester dans son DRS. Donc, du coup, pendant 3 tours, je suis resté derrière lui sans le voir le dépasser, économiser Ton ma ES. batterie. Et une fois que j'ai dépassé, en fait, le problème c'est que lui il est resté dans mon DRS. Mais il avait moins de rythme que moi, mais pas assez pour sortir de la zone. Du coup, dès qu'on était dans les sinuées, je lui mettais 3-4 dixièmes, mais ces 3-4 dixièmes là, il a rattrapé sur les 2 zones de DRS. Donc, du coup, c'était impossible de le sortir. C'est Et du ça. coup, bah, je pouvais pas lui mettre 3 secondes. C'est là que j'ai pris mes 6 secondes parce que j'ai encore forcé comme un malade. Et du coup, voilà, j'étais sanctionné. Et ok, et ben écoute, en tout cas, GG à toi. Et puis, tu as été élu pilote du jour hein, pour tes nombreux dépassements. Encore GG. Lucky Est.
Très belle qualification. Tu colles, je crois, 7 dixièmes, 7 ou 8 dixièmes à Setco pendant les qualifs, qui est juste derrière toi. Vous êtes donc tous les deux dans la minute 18, les deux seuls pilotes. Très très grosse qualif, et puis après une course vraiment bien exécutée. T'avais un très gros rythme, hein. T'as réussi à coller des secondes au pilote derrière toi, t'es parti à la faute, t'es revenu, t'as remis encore des secondes. Là, safety car, on se dit que tout est fini pour toi, hein, puisque on sait qu'Infinite Keke a un très gros rythme, et t'arrives à le tenir et à prendre la première place. GG à toi, explique-nous un petit peu tes ressentis sur ta course. Écoute, pour commencer, la qualification, Keke a dit au briefing qu'il n'allait pas la faire. Donc je me suis dit, il y a moyen de jouer un coup, vu que je savais que souvent j'ai quand même un petit peu de rythme sous la pluie. Je me disais, il y a moyen de jouer un coup et de choper la pole. Je pensais pas à la prendre par 7 dixième et demi, mais du coup j'étais content. Je me disais, si je gère bien, il y a moyen qu'il y ait une petite bataille avec Keke à la fin, mais que j'arrive à gagner. Au final, au départ, je prends plutôt mon départ, je reste devant Setcho. Sur le premier tour, il était proche, donc je me disais, au final, j'ai pas tant de rythme que ça. Puis après, j'ai réussi à m'envoler. Je fais mon premier arrêt pour les médiums. Déjà, très gros coup de malchance, je passe vraiment juste devant l'entrée de la voie des stands. Et là, je vois au-dessus DRS activé, et j'ai mon ingénieur qui me dit de rentrer. Du coup, j'ai dû refaire un tour sous une piste sèche avec avec des intermédiaires. Donc, j'ai perdu au moins 2-3 secondes. Là-dessus, je ressors quand même devant cette show. Puis après, je pars à la faute bêtement sur un virage rapide. J'ai surestimé le grip des médiums et je pars en tête à queue. Heureusement, je tape pas. Et après, j'ai profité de mon gros rythme pour remonter. J'ai réussi à redépasser Setcho et Doc Thunder qui étaient en tête de course. Non, qu'est-ce que t'allais vite? Après, j'étais en médium et eux étaient en hard. Et je crois que Doc avait un aileron cassé ou des reins font pas péter, donc il était un petit peu plus lent. Donc effectivement, je voyais que Keke était derrière à 9 secondes et je le voyais. Je voyais que je mettais pas de gap à Keke. Et des fois même il revenait. Donc je me disais, il faut un miracle pour que je gagne, parce qu'en plus j'avais pris 5 secondes dans l'entrée des stands. Et au final, il y a la safety car, je rentre pour mettre des softs, Keke et Setcho aussi. Je ressors devant lui. Après, effectivement, Keke sur le restart, je m'attendais pas à ce qu'il fasse un dive boom comme ça. Donc il y a une petite touchette. Merci qui m'a laissé passer, c'est cool, fair play. Et après, il me redépasse sur le DRS. Et les 6-7 derniers tours, j'ai poussé comme un malade pour ne pas sortir de sa zone de DRS, parce que si j'en sortais, j'étais mort. C'était mon arrêt de mort. Mais au final, je suis content et j'ai réussi à gagner. Ça fait plaisir d'enfin gagner une course. Ouais. Ça faisait un moment. GG pour ta victoire, effectivement. Moi, j'ai eu peur que la touchette t'ait trop abîmé l'aileron et que tu puisses plus suivre et plus tenir le rythme que tu avais. Hein. Clairement. En tout cas, GG à vous. Très belle course. Alors, comme je l'ai dit, je vais faire pas mal de petits clips pour mettre vos dépassements, les temps forts entre guillemets sur TikTok. N'hésitez pas à faire un petit tour. Voilà, il y a un TikTok qui a été créé là il y a 4 heures. Voilà. Donc, en tout cas, merci les gars. Franchement, vous avez fait une course. Moi, je me suis régalé en tout cas à commenter votre course. C'était top. Hein. Je vous dis, hein, sans mentir, j'ai eu l'impression qu'il y avait 20 pilotes. Hein. Il y a eu de l'action. J'ai pas arrêté. Pendant tout le stream, si vous allez voir la rediff ou quoi, vous allez voir, j'ai pas arrêté de parler. J'ai même eu des grosses erreurs que je fais pas d'habitude, oubli de mettre les scènes et tout, parce qu'en fait, il y a eu de l'action, quoi. Donc voilà. GG les gars. Merci. Bonne soirée à vous. Et à la prochaine. Merci toi aussi, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Attends. À la semaine prochaine où je suis pas là d'ailleurs. Attendez, que je dise pas de bêtises. Non, c'est la semaine prochaine. Ouais. J'ai le calendrier normalement. Non, c'est si la semaine là, prochaine. Oui, c'est ça. C'est ça. La semaine prochaine, ça sera sur Abu Dhabi. Abu Dhabi la semaine prochaine. Allez, après, bonne soirée les gars.
Moi, je vais mettre fin Bonne au soirée. stream. Bonne soirée. Je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao, ciao. Et voilà, on va mettre fin au stream. N'hésitez pas, encore une fois, comme je l'ai dit, hein, merci pour le soutien, les gars. Vous étiez encore nombreux ce soir, c'était cool. Vous êtes passés, repartis. Bah, c'était cool, franchement. Il y a eu du people qui est venu, qui a parlé. Ça fait plaisir, ça aide, on va dire. Ça aide, ça fait voir que le travail que je fais vous plaît. Sur les casts, sur les streams, etc. C'est un grand plaisir. N'hésitez pas à aller dans la description pour voir le Twitter, pour voir le TikTok. Twitter pour vous annoncer quand je lance un stream. En général, je le fais. Je peux oublier, mais voilà, en général, je le fais. Si vous êtes abonné, que vous avez la cloche d'activer sur Twitch, de toute façon, vous recevez la notif normalement. Et le TikTok pour tous les petits temps forts qu'il va y avoir pendant les courses. J'en ai déjà mis pas mal. Il y a moyen de se régaler franchement sur des courtes vidéos de 30 secondes à 2 minutes, je vais dire. Il y a moyen de se régaler, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Ça fera plaisir aussi. Moi, je vais vous dire bonne soirée. Je vais vous envoyer sur la chaîne de Psydark où je vais aller jouer à Apex Legends avec lui. Normalement, il est en stream, donc je vais vous envoyer tout de suite. Allez passer un petit coucou de ma part, ça fera plaisir. Et puis si ça vous dit, on se retrouve là-bas sur Apex Legends. Allez, à plus les gars. Merci encore.